Voilà, donc là on a notre objet de quête avec notre tic-tac en émissive en plein milieu. Donc voilà en gros ce que ça donne en jeu. Voilà, on a une espèce de truc lumineux dans un bocal de verre. Euh, et on avait enregistré donc notre élément en PNG dans notre dossier source. Donc on aura cet élément là. Ok, euh, donc pour la suite. Alors pour la suite, en fait, ce qu'on va faire c'est. Que, euh, on va commencer à créer une structure qui, via cette structure, de mettre euh, en liste toutes les catégories d'items qu'on va avoir en jeu, que ce soit objets, euh, armes, euh, potions de vie, euh, etc., etc. Donc, pour ça, en fait, on va aller dans le content. On va peut-être créer d'ailleurs un nouveau dossier, ou peut-être le mettre dans éléments d'ailleurs. Euh, voilà, donc on va rester dans Game Elements. Donc c'est ici qu'on va mettre en fait tout, euh, tous nos items. Euh, donc ce que je vais faire, je vais faire un nouveau dossier. Voilà, new folder que je vais euh, nommer items. Donc là-dedans ici, euh, je vais mettre mon objet de quête. Move here. Je vais rendre item. Euh, voilà et puis je vais mettre ici euh, tous les éléments, ça sera plus simple. Pour les icônes, je vais faire un dossier image à l'intérieur donc de item, je double-cliquer dedans, et donc ici je vais faire un import to, je vais aller chercher mon élément que j'ai enregistré au bon endroit, donc c'était dans RPG Escape, source, et je vais aller prendre mon OBJQuest01. Ouvrir. Voilà. Donc là, j'ai mon image. Euh, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est construire ce fameux tableau qui va répertorier, en fait, tous nos items. Donc je vais le faire dans le dossier item. Vous allez faire un clic droit. Ensuite, euh, structure. Vous allez le retrouver dans blueprint structure. Voilà. Et on va le renommer struct underscore items. Je double-clique dans ce struct items. Donc là, on se retrouve avec quoi On se retrouve en fait avec euh, un tableau. En fait, ça fonctionne exactement comme un tableau dans lequel on va mettre tous les éléments qu'on va pouvoir renseigner. Et vous allez voir que ces éléments renseignés, on va pouvoir les renseigner à la volée par la suite. Donc, dans un premier temps, euh on va mettre juste le nom de l'objet. Donc on va mettre juste name. À côté ici, on va mettre justement un string qui sera donc du texte. Je fais une nouvelle variable. Dans cette nouvelle variable, je vais mettre euh, description. Donc description, ce sera du texte. Ici, je vais mettre texte. Nouvelle variable, on va mettre image. Ici, euh, je vais aller chercher Texture2D. Alors, c'est... Vous pouvez mettre ici, d'ailleurs, Texture... Non, c'est pas ça. Texture2D, voilà. C'est ça que je cherchais. Et vous le mettez en Objet Référence. Ok Donc, vous voyez, en dessous, vous faites... Petit à petit, on a ce qu'on retrouve dans Details à chaque fois qu'on sélectionne un élément. On a des éléments qu'on peut cocher, décocher, etc. Ben là, en fait, avec une, struct, une structure, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre des valeurs liées à un objet. Et donc là, on va pouvoir, comme ça, déterminer quel est le nom de l'objet, quelle est sa description et quelle est son image à laquelle on va euh, raccrocher euh, l'objet. Donc ça, on va le sauvegarder. Maintenant on va catégoriser euh, les items. Donc pour les catégoriser, donc savoir si c'est par exemple une arme, un objet de quête, euh, pas un objet de quête, etc. On va créer ici euh, une, une, une énumération, pardon, je l'ai ici, Hop. blueprint, énumération. Donc l'énumération en fait. Euh, on va catégoriser, faire plein de catégories. Donc, euh, comme je vous disais, armes, quêtes, etc., etc. Et cette énumération, ces catégories, on va pouvoir les mettre également dans notre structure. Euh, donc ici, je vais le nommer d'ailleurs enum item. C'était bizarre, c'est Menu item. <laughs> je rentre dedans. Et dans euh, énumération. Donc, on va créer plusieurs catégories. Okay donc ici, je vais cliquer sur new. Ici, je vais mettre euh, weapon par exemple, si c'est une arme. Euh, mettre euh, ammo, si c'est des munitions. Bon, ça on va peut-être pas forcément l'utiliser. Nous, ce qu'on va surtout utiliser d'ailleurs, c'est quest. J'aurais pu commencer par là. Et euh, Potion ». Voilà, d'ailleurs, je vais les remonter. Tchac, tchac. Je vais sauvegarder. Je reviens dans ma structure item. Et euh, je vais créer... Alors c'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs pour mon objet de quête. Je vais devoir créer en fait un bp item parent. En fait tout ce qu'on va faire maintenant, tous les objets qu'on va faire, on va les faire à partir euh, d'un objet parent. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit on utilise ça comme... Euh, BP Parent, BP Item euh... Ouais, euh... non, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va faire plus simple, on va faire un nouveau Blueprint Actor qu'on va appeler tout de suite BP Item, on va mettre un I majuscule, Parent Voilà, BP Item Parent, donc lui n'hérite pas encore euh, de BP Item Parent, ça on va le faire par la suite. Euh, on va finir juste de définir bien ce qu'est un BP item parent. Donc pour ça, en fait, hop, je vais remonter ici. Je vais faire un petit save. Donc je rentre dans BP item parent. Voilà. Ok. Et euh, dans les variables qu'on va créer tout de suite, on va créer une variable plus. Euh, qu'on va appeler structure item. Donc là, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que la structure item qu'on a faite avant va être liée à un BP item parent. Et vu que tous nos items vont être euh, des enfants de BP item parent, du coup, ils vont tous avoir le, la structure qu'on vient de créer. Et donc, on pourra comme ça sur chaque item. Sélectionner l'image, euh, mettre le nom, la description, etc. etc. Donc vous voyez en fait l'intérêt d'utiliser une structure. Donc cette structure, euh, je vais évidemment la modifier puisque ce qu'il me faut c'est un structure item. Je vais mettre ici alors, struct item, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok, je compile, je sauvegarde et là vous voyez que dans défaut, je retrouve name, description et image. Okay. Donc, du coup, vous voyez, la problématique de mon objet de quête, c'est que je ne l'ai pas. Donc, du coup, pour le faire, ben c'est très simple, hein, en fait, pour le faire, c'est tout simplement file reparent blueprint. Et dans reparent blueprint, je vous montre ça pour ceux qui auraient justement raté le coche. Donc, tant mieux que je me sois foiré là-dessus, comme ça, on voit comment ça fonctionne. Et là, donc, je vais mettre mon bp item parent. Voilà. Donc là sur mon objet de quête du coup je retrouve hein, alors je sélectionne objet quest 01 je retrouve dans default ma structure item donc ici par exemple je peux mettre euh, objet de quête 1 description permet de remplir la, la quête du mec bizaroid et image je vais aller chercher tout simplement objet quest01 voilà je compile je sauvegarde donc du coup en fait chaque item qu'on va pouvoir créer on va pouvoir comme ça rapidement à le voler euh mettre quel est le nom, euh, la description et l'image. Et vous allez voir que ça va aller plus loin puisque lorsqu'on va commencer à créer les potions euh, de vie, des potions d'endurance, euh, les systèmes d'armes, les systèmes de munitions, mais du coup on va pouvoir comme ça mettre des tas de renseignements jusqu'à dire euh, à quel PNJ il faut rendre l'objet. Euh... On peut faire des tas de choses, on peut rentrer des tas de choses dans cette structure là. Pour le moment on est que sur trois structures, mais vous allez voir que dans la suite, ça va aller plus loin. Allez, euh, vidéo suivante, ciao